Résolution d'un système linéaire par la méthode de Gauss, audit du pivot. Description de la méthode de Gauss. Soit S indice 1 un système d'équations linéaires tel que le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues. La suite A11, A22, ANN s'appelle le pivot du système ou de sa matrice associée. Schématiquement, cette méthode consiste à transformer notre système initial S1 en utilisant la règle 1 ou 2 ou 3 sur les systèmes équivalents ou un autre système S2 qu'on transforme à son tour et ainsi de suite jusqu'à obtenir le dernier système S1 qui va être un système triangulaire supérieur et qui est facile à résoudre. Pour cela, dans la suite des systèmes équivalents successifs, ceux qui varient sont les coefficients du système. Ainsi, au lieu de travailler avec les équations, on va travailler avec les lignes des matrices élargies. Et comment? On va utiliser des combinaisons sur les lignes afin d'annuler les éléments situés au-dessous de chaque élément non nul du pivot. En commençant par l'élément du pivot le plus à gauche jusqu'à l'élément du pivot le plus à droite. Ainsi, de proche en proche, on obtient une matrice triangulaire supérieure. Remarque très importante. Le sens des opérations de gauche vers la droite est important. Pourquoi? Car il permet d'obtenir des zéros sur une colonne sous l'élément de pivot en ne perdant pas les zéros obtenus sur les colonnes précédentes déjà traitées. Remarquez qu'il y a une colonne située à droite de la matrice élargie qui est réservée pour les seconds membres des équations. Maintenant, montrons comment construire des zéros au-dessous d'un élément pivot non nul. On considère la matrice associée à un système d'équations linéaires. Sur le pivot de cette matrice, on choisit un élément petit a différent de 0 situé sur la ième ligne et la ième colonne, soit LJ, la ligne située au-dessous de la ligne LI, c'est-à-dire J est supérieur à I. Sur cette ligne, on considère l'élément B situé sur la ième colonne. On va construire une combinaison linéaire entre les lignes LI et LJ qui va remplacer la ligne LJ et qui va nous donner un 0 à la place de B. On multiplie la ligne LI par petit b, ce qui nous donne à la place de petit a, c'est B fois A. De même, on multiplie LJ par petit a, ce qui nous donne à la place de B, nous aurons petit a fois B. La dernière étape, sur la jème ligne, on remplace la ligne LJ par la combinaison linéaire petit a LJ moins petit b LI. Ce qui donne comme élément de la ième colonne A fois B moins B fois A, qui est égal à 0. Remarquons que dans cette méthode,
on a exigé que le petit a soit différent de 0. Sinon, on va changer li avec une autre ligne lj située au-dessous, de telle façon que son ième élément soit différent de 0. Pour conclure, on a montré une méthode qui va pouvoir annuler tout élément qui est situé au-dessous de l'élément pivot petit a. Pour résumer, comment trouver des zéros sur une colonne sous la ligne de pivot? Premièrement, on détermine le pivot de la matrice élargie associée au système d'équations linéaires. Ensuite, on choisit une colonne C sur laquelle on va placer des zéros sous le pivot. Soit petit a, l'élément de la matrice qui est l'intersection entre la colonne C et le pivot. On détermine alors la ligne LI qui passe par A. Soit LJ, toute ligne située au-dessous de LI et dont l'intersection avec C, la colonne C, est petit b. Alors, si on remplace la ligne LJ par la combinaison linéaire A LJ moins petit b LI, le terme en B va être remplacé par 0. Exemple, on considère le système défini par S. Remarque, pour l'écriture de ce système et pour avoir à la facilité d'écriture des matrices associées, on place les x sur la même colonne, de même que les y sur une deuxième colonne et les z sur une troisième colonne. La matrice élargie associée au système S est elle a trois lignes, L1, L2, L3. Le pivot de cette matrice est 0, 2, 2. Pour appliquer la méthode de Gauss, on va directement vers la première colonne à gauche, 0, 2, 1. Normalement, l'élément de pivot doit être différent de 0, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, l'élément de pivot est 0. Pour remédier à cette situation, on applique la règle 1 sur les systèmes équivalents, c'est-à-dire changer la ligne L1 en une ligne située au-dessous qui va nous donner un élément de pivot différent de 0. Par exemple, L2 à la place de L1. Ce qui donne la nouvelle matrice dont le pivot est 2, 1, 2. Sur la colonne 2, 0, 1, l'élément de pivot c'est 2, il est différent de 0. En dessous, on doit donc placer des 0. Déjà sur la deuxième ligne, il y a un 0. Et sur la troisième ligne, on doit placer un 0 au lieu de 1. Pour cela, et pour appliquer Gauss, on doit travailler avec la ligne qui contient l'élément de pivot 2, et c'est L1. Et donc prendre comme combinaison linéaire 2L3 moins L1. Ce qui donne la matrice suivante, dont la première colonne est 2, 0, 0. C'est-à-dire, les éléments au-dessous de l'élément pivot 2 sont nuls. Dans cette nouvelle matrice, le pivot est 2, 1, 1. Et on doit passer à la deuxième colonne qui contient l'élément pivot 1 qui est différent de 0.
on doit mettre un 0 au-dessous de 1, c'est-à-dire 0 au lieu de moins 1. La ligne qui contient l'élément de pivot 1 est L2, avec laquelle on doit travailler. On prend pour la troisième ligne la combinaison linéaire L3 plus L2. Ce qui donne la matrice suivante, qui est une matrice triangulaire supérieure. Le système associé à cette matrice est un système triangulaire supérieur et qui est le suivant. La première équation est 2x plus 2y plus 2z est égal à moins 2. La deuxième équation est y moins 2z est égal à 2. Et la troisième, moins z est égal à 3. C'est un système triangulaire supérieur qu'on résout en cascade de bas en haut. La troisième équation donne z est égal à moins 3. Qu'on remplace dans la deuxième équation, ce qui donne y plus 6 est égal à 2, par conséquent y est égal à moins 4. On remonte vers la première équation et on remplace y et z par leur valeur, ce qui donne x moins 4 moins 3 est égal à moins 1, d'où on tire x est égal à 6. Donc la solution du système est le triplé 6 moins 4 moins 3. C'est un système déterminé. Exemple de système indéterminé. Soit S le système linéaire défini par 2x moins y est égal à moins 1, 3x plus z est égal à 2 et x plus y plus z est égal à 3. On considère la matrice élargie associée au système. Le pivot de cette matrice est 2, 0, 1. Pour la première colonne 2, 3, 1, l'élément du pivot est 2 et la ligne contenant cet élément, c'est la première ligne, L1, 2, 1, 0. Donc, il va falloir trouver des combinaisons linéaires en fonction de L1 qui vont mettre des 0 à la place du 3 et du 1. Pour le 3, on doit multiplier L2 par 2 et on retranche 3 L1. Ce qui donne pour la deuxième ligne, pour le premier élément, 2 fois 3 moins 3 fois 2, ça donne 0. Pour le deuxième élément, 2 fois 0 moins 3 fois moins 1, ça donne 3. Troisième élément, 2 fois 1 moins 3 fois 0, ça donne 2. Et le dernier élément, c'est 2 fois 2 moins 3 fois moins 1, ce qui donne 7. Pour avoir un 0 à la place du 1, on choisit la combinaison linéaire 2L3 moins L1. Ce qui donne pour la nouvelle troisième ligne, pour son premier élément, 2 fois 1 moins 2, ce qui donne 0. Pour le deuxième élément, 2 fois 1 moins moins 1, ce qui donne 3. Pour le troisième élément, 2 fois 1 moins 2 fois 0, ce qui donne 2. Et pour le dernier élément, 2 fois 3 moins moins 1, ça fait 7. Pour la première ligne, il n'y a pas eu de changement, c'est 2, moins 1, 0 et moins 1.
Le pivot de cette matrice est 2, 3, 2. On va travailler la deuxième colonne qui contient l'élément de pivot qui est 3. Donc on doit mettre un 0 au-dessous de 3. La ligne qui contient l'élément de pivot 3 est la deuxième ligne, L2. On doit travailler avec. On choisit la combinaison linéaire L3 moins L2. Ce qui donne dans la nouvelle troisième ligne des zéros partout. Et ici, la deuxième ligne et la première ligne n'ont pas changé. Une fois arrivé à ce stade, on revient au système équivalent. On considère S' le système équivalent associé à la dernière matrice, c'est-à-dire 2x moins y, elle est égale à moins 1, se relative à la première ligne, relative à la deuxième ligne, 3y plus 2z est égal à 7, et relative à la troisième ligne, c'est 0 est égal à 0, c'est une évidence. On résout ce système. S', il est équivalent à, pour la première équation, y est égal à 2x plus 1. La deuxième, c'est 3y plus 2z est égal à 7. Ce qui équivaut encore à y est égal à 2x plus 1. On remplace dans la deuxième équation, ce qui me donne 3 fois 2x plus 1 plus 2z est égal à 7. Ce qui équivaut encore que y elle est égal à 2x plus 1 et z elle est égal à 2 moins 3x. Donc l'ensemble des solutions S est égal à l'ensemble des triplés x, 2x plus 1, 2 moins 3x, tel que x appartenant à R. Lorsque x varie dans R, le triplé varie dans R3, donc il y a une infinité de solutions. C'est donc un système indéterminé. Exemple 3, système impossible. Soit S défini par 4x plus 3y plus 4z est égal à moins 2, 2x moins 5y moins 22z est égal à moins 5, moins 3x plus 2y est égal à 10. On considère la matrice associée à S qui est la suivante. Dans cette matrice, le pivot est 4, moins 5, 0. Dans la première colonne, l'élément de pivot est 4. Donc avec la ligne L1, on doit faire de combinaisons sur les lignes de telle façon à pouvoir remplacer le 2 par un 0 et le moins 3 par un 0. Pour le 2, on choisit la combinaison linéaire 2L2 moins L1. Ce qui donne comme calcul pour la deuxième ligne le calcul du premier élément 2 fois 2 moins 4, ce qui est égal à 0. Le calcul du deuxième élément, 2 fois moins 5 moins 3, ce qui est égal à moins 13. Le calcul du troisième élément, 2 fois moins 22 moins 34, ce qui est égal à moins 78. Le calcul du quatrième élément, 2 fois moins 5 moins moins 2, ce qui est égal à moins 8. Toujours dans la première colonne, pour avoir un 0 à la place de moins 3, on fait la combinaison linéaire 4L3 plus 3L1.
Ce qui donne comme calcul pour la troisième ligne, pour le premier élément de cette ligne, 4 fois moins 3 plus 3 fois 4, ça fait 0. Pour le deuxième élément, 4 fois 2 plus 3 fois 3, ça fait 17. Pour le troisième élément, 3 fois 0 plus 3 fois 34, ça fait 102. Pour le quatrième élément, 4 fois 10 plus 3 fois moins 2, ça fait 34. Dans cette matrice, le pivot est de 4, moins 13, 102. Dans cette matrice, et dans la deuxième colonne, l'élément de pivot c'est moins 13. Il reste donc à annuler ce qui est sous moins 13. Donc la combinaison linéaire va contenir la ligne L2 qui contient l'élément de pivot et la ligne L3. Pour mettre un 0 à la place de 17, on choisit la combinaison linéaire 13 L3 plus 17 L2. Ce qui va nous donner comme troisième ligne, le premier élément, c'est 13 fois 0 plus 17 fois 0, ça fait 0. Pour le deuxième élément, 13 fois 17 plus 17 fois moins 13, ça fait 0. Pour le troisième élément, 13 fois 102 plus 17 fois moins 78, ça fait 0. Et finalement, pour le quatrième élément, 13 fois 34 plus 17 fois moins 8, ça fait 442. Dans cette dernière matrice associée, la dernière ligne nous donne 0x plus 0y plus 0z est égal à 442. C'est-à-dire 0, il est égal à 442, ce qui est impossible. Donc le système est impossible. On dit aussi que le système est incompatible. Une généralisation de la méthode de Gauss. Soit S un système d'équations linéaires, tel que le nombre d'équations n dépasse le nombre d'inconnus P. Méthode de résolution de ce système. On choisit un sous-système quelconque du système S dont le nombre d'équations et le nombre d'inconnus sont égaux. On le résout avec la méthode de Gauss et on vérifiera alors là où les solutions trouvées pour les équations non choisies. Exemple, résoudre le système S défini par l'équation E1, l'équation E2, l'équation E3 et l'équation E4. C'est un système qui n'est pas carré. Il a trois inconnus X, Y, Z et quatre équations E1, E2, E3 et E4. On choisit un sous-système quelconque du système S dont le nombre d'équations et le nombre d'inconnus sont égaux. On le résout avec la méthode de Gauss et on vérifiera alors là où les solutions trouvées pour les équations non choisies.
Par exemple, on résout ici le système défini par E1, E2 et E3. Et on vérifie là où les solutions trouvées dans les équations non choisies, ici dans E4. Résolvons par la méthode de Gauss le système défini par les équations E1, E2 et E3. On considère la matrice élargie du système. Pour cette matrice, le pivot c'est 4, moins 5 et 1. Pour la première colonne, l'élément de pivot c'est 4. Donc on doit travailler avec la ligne 1. Pour trouver 0 à la place du 2, je multiplie la deuxième ligne L2 par 2 et je retranche la première ligne L1. Pour trouver un 0 à la place du 6, je multiplie L3 par 4 et je retranche 6 fois L2. Ce qui nous donne le calcul suivant. On obtient des zéros sous l'élément du pivot 4. Pour cette nouvelle matrice, le pivot c'est 4, moins 13 et 10. Pour la deuxième colonne, l'élément du pivot c'est moins 13. Donc on doit travailler avec la deuxième ligne L2. Pour obtenir un 0 à la place de moins 22, on doit choisir comme combinaison linéaire moins 13 L3 plus 22 L2. Ce qui nous donne, comme calcul, on obtient donc une matrice élargie triangulaire supérieure. Le système associé à cette matrice est le suivant. C'est un système triangulaire supérieur qu'on va résoudre en cascade de bas en haut. De la troisième équation, nous avons moins 108z est égal à 108. Ça veut dire que z est égal à moins 1. On remonte vers la deuxième équation et on remplace z par moins 1, ce qui nous donne que moins 13y est égal à 0. Ça veut dire que y est égal à 0. Et finalement, on remonte vers la première équation, on remplace z par moins 1 et y par 0. Ça veut dire que 4x il est égal à 2, ce qui nous donne que x est égal à 1/2. Donc le triplet 1/2, 0, moins 1 est une solution de ce système. Est-il solution du système global? Pour cela, on doit le vérifier dans l'équation E4. On remplace x, y, z par leur valeur dans cette équation. On a 8 fois 1/2 plus 2 fois 0 moins 3 fois moins 1. Ça fait exactement est égal à 7. Donc, c'est une solution de E4. Donc le triplet 1/2, 0, moins 1 est une solution du système E1, E2, E3 et E4. On écrit, il y a une seule solution du système S, donc S est un système déterminé. Généralisation de la méthode de Gauss pour des systèmes qui ont n équations et p inconnues est telle que n strictement égale à p. S est de la forme, les premières parties des équations contiennent les inconnues x1 jusqu'à xn. La deuxième partie des équations contient les inconnues xn plus 1 jusqu'à xp. Il y a le second membre P1, P2, Pn. S peut se mettre sous la forme, au premier membre, les premières parties des équations, et au second membre, les
PI moins les deuxième partie des équations contenant les inconnus xn plus 1 jusqu'à xp. Je note ces seconds membres par c1, c2, etc., cn. Donc S est un système carré dont les seconds membres, les CI, qui est égal à BI, moins la somme des termes de l'équation EI contenant les inconnus xn plus 1 jusqu'à xp. On résout ce système carré avec la méthode du pivot décrite auparavant, en considérant la matrice élargie associée à S. Remarquons que si le n-uplé x1, x2, xn est une solution du système S, il sera calculé en fonction des seconds membres c1, c2, etc. cn. Or, CI est calculé en fonction de xn plus 1, xn plus 2, xp. Par conséquent, la solution x1, x2, xn sera calculée en fonction de xn plus 1, xn plus 2, xp. Et puisque les nombres réels xn plus 1, xn plus 2, etc., xp sont arbitraires, il n'y a aucune contrainte là-dessus, on peut conclure qu'il y a une infinité de solutions x1, x2, xn. Exemple, on considère le système S suivant. C'est un système à 3 équations et 4 inconnus. Pour avoir un système à 3 inconnus et 3 équations, on choisit une inconnue ou on la met en second nombre. Par exemple, ici on prend T. S devient alors 3 moins T, 3 plus T, 1 moins 2T sont les seconds membres des équations. T, c'est une inconnue qu'on appelle paramètre. Il varie dans R. La matrice associée à ce système carré est la suivante. Le pivot pour cette matrice, c'est 1, 1, 2. Pour la première colonne, l'élément de pivot est 1. Donc, on doit mettre des 0 sous le 1 en utilisant des combinaisons linéaires en fonction de la première ligne. L'élément de la colonne située sur la première ligne est déjà nul. Il reste donc l'élément de la troisième ligne située sur cette colonne. On utilise la combinaison linéaire L3 moins L1, ce qui nous donne... On a donc mis des zéros sur la première colonne sous le pivot. On passe donc à la deuxième colonne. Le pivot, c'est 1, 1, 1 pour cette matrice. Et l'élément de pivot, c'est 1. Donc on doit mettre des zéros sous l'élément de pivot, c'est-à-dire remplacer moins 1 par 1 0 en utilisant bien sûr des combinaisons contenant L2. On choisit la combinaison L3 plus L2, ce qui nous donne on obtient donc un 0 à la place de moins 1. Donc finalement on obtient une matrice triangulaire supérieure. On considère le système associé à cette dernière matrice, c'est un système triangulaire supérieur. On le résout de bas en haut en cascade. La troisième équation nous donne z est égal à moins 1.
On remonte vers la deuxième équation en remplaçant z par moins 1, ce qui nous donne y est égal à 1 plus t. Et finalement, on remonte vers la première équation en remplaçant z par moins 1 et y par 1 plus t, ce qui va nous donner x est égal à 3 moins 2t. Donc l'ensemble des solutions S, c'est l'ensemble des triplets 3 moins 2t, 1 plus t et moins 1, tel que t varie dans R. Donc S contient une infinité de solutions. Notre système est un système indéterminé.